Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Et oui, c'est déjà la 10e vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, nous allons voir 5 breaks en sextolé qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est parti! Nous les batteurs, on aime bien travailler la technique pour envoyer du lourd, mais parfois on a tendance à oublier d'en faire de la musique. Les 5 breaks que je vous propose sont basés uniquement sur le sextolé, 6 coups par temps, et font appel à plusieurs techniques. Le frisé, le roulé, le double paradiddle, le double coup de grosse caisse, et une illusion rythmique par groupement de 9 notes. Mes propositions de distribution sonore sont une base de travail, mais l'idée c'est que vous vous appropriez ces exercices pour en faire quelque chose de plus personnel. Nous les détaillerons d'abord lentement à 70 BPM pour bien mettre en place les différentes distributions, puis à 90 BPM pour asseoir la vitesse d'exécution et bien sûr se faire plaisir. Mais trêve de blabla, attaquons tout de suite avec le premier break. Je l'ai construit sur un doigté de frisé avec une distribution d'accent sur les tomes, tous les 3 coups, sauf la sortie tome basse qui est un petit peu différente, comme ceci. Tumkata, 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 tututum. Si vous écoutez la mélodie des tomes, vous vous apercevez qu'ils jouent tout simplement les croches. Tum, 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 tum. Sauf la sortie tome basse, bien sûr. Voyons déjà ce premier break. Exercice 2, on utilise maintenant le doigté de roulé en ne distribuant que la main droite sur les tomes. Et vous allez entendre que cette distribution va créer un décalage mélodique dans la mesure, comme ceci. Totom, 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 totom. Un décalage mélodique vraiment sympa. On essaie ça tout de suite. Exercice 3, on va s'appuyer maintenant sur le double paradiddle avec toujours une distribution main droite sur les tomes. Je rappelle le double paradiddle, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Et vous voyez que le doigté s'inverse à chaque sextolé, c'est ce qui le rend intéressant à utiliser dans les breaks. Vous allez entendre sur les tomes la mélodie suivante. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Ça n'est pas sans nous rappeler une certaine idée du rythme afro-cubain 6-8, notamment la partie qu'on joue à la cymbale qui fait ça.
ting 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 que vous pouvez retrouver dans ma méthode ethnorhythme. Mais ça n'est pas le propos d'aujourd'hui. Voyons comment ça sonne. Quatrième exercice, nouvelle distribution, avec les quatre premiers coups joués en frisé, suivi de deux coups de grosse caisse sur la cinquième et sixième double croche du sextolé, comme ceci. Tita tita con con, tita tita con con, tita tita con con. Et en plus, ça vous fait travailler la rapidité du double coup de grosse caisse. Impeccable! Exercice 5, on complique un peu l'affaire avec une illusion rythmique et un accent de caisse claire qui va renforcer cet effet. Plutôt que de penser par groupe de 6 notes, nous allons transformer nos 3 premiers sextolé, qui comptent 18 notes, 3 x 6, en 2 x 9 notes, plus un sextolé pour terminer la mesure bien sûr et retomber sur nos pieds. La séquence à mémoriser donne ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. On met tout de suite ça en application. Et maintenant, pour s'amuser avec tout ça, on se fait un petit récapitulatif avec une mesure de groove au choix et une mesure de chaque break. C'est parti!
Bien sûr, avant de se lancer dans ce type de break, il vaut mieux maîtriser le concept du sextolé. Mais je vous le rappelle, la vitesse n'est pas une priorité. L'idée est d'abord d'intégrer dans votre jeu de nouvelles combinaisons pour ouvrir votre potentiel créatif. Pour automatiser ces combinaisons, pas de secret. La répétition, la répétition, la répétition. Et surtout, mettez-les en pratique dans des cycles du genre une mesure de rythme, une mesure de break, trois mesures de rythme, une mesure de break, sept mesures de rythme, une mesure de break, de façon à les intégrer dans un contexte de jeu réel et non pas sous forme de plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorhythm. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ses lecteurs fidèles à Easy Drumming. N'oubliez pas que la patience et le travail sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers, à bientôt pour une nouvelle vidéo.